Visite officielle et à président de la République et à la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa chevaki Lobi Eleki, plus précisément lundi 23 mai 2022, na Bujumbura, na Burundi. Et Tshisekedi ko signalé que arrivé ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Burundi, ezalaki na trois objectifs, à savoir ko renforcer coopération militaire, ko réaffirmer accords commerciaux, paix économique, paix ko clarifier projet d'intégration sous régional. Durant ce jour, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Pendayi Chimie va évaluer qui également va préalable pour la réalisation y a projet d'intérêt sous régional. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Au cours de la discussion, y compris question d'infiltration supposée, il y a des militaires burundais, dans Mabélé, la République démocratique du Congo, les civils, les acquisés, armée burundaise, cause à la base d'insécurité dans la zone wana ya pays. Frontière où cause là au centre de la discussion, pour entre 5 000 à 10 000 Congolais, bakati saka chaque jour parmi bango ba commerçants. Oyo sengeli na bango basombaka test ya COVID à chaque fois. Burundi a imposé prix yango na $15 mosolo oyo komi manka gagner monene pour na ba commerçants. Oyo batalisi kolela na bango na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous souhaitons que notre président puisse dialoguer avec son homologue pour nous aider, nous les femmes petites commerçantes, car nous souffrons. Nous voulons que le test Covid soit supprimé et que nous continuions à traverser avec nos jetons comme avant le Covid. Et c'est quel coyeba qui va commerçant, bazali causer la réponse rapide par rapport à la situation na bango. Yeah,